Salut tout le monde, petite vidéo extrêmement rapide pour vous dire que je serai vendredi prochain au salon de la photo. J'arrive sur Paris dans le début d'après-midi, donc je pense que je serai au salon vers 15h. Je pense pas que je vais y rester 1000 ans comme ce que j'ai pu faire les autres années, je vais probablement y rester 2-3 heures. Donc si jamais vous êtes à Paris le vendredi 7 octobre, si je dis pas de bêtises, dans l'après-midi, vous aurez peut-être l'occasion de me croiser et on discutera avec plaisir. N'hésitez pas à m'arrêter dans le salon si jamais vous me voyez. Autre chose, j'avais pensé à faire un petit after après le salon de la photo, donc vendredi soir. L'idée, c'est pas faire une grosse soirée, hein. L'idée, c'est juste d'aller boire un verre autour du parc de la Villette, donc pas très loin de là où il y aura le salon, et puis bah en fait d'aller tout simplement boire un coup, discuter photo argentique. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le petit Google Form que je vous ai mis dans la description. Vous avez juste besoin d'enseigner votre nom, prénom et un moyen de contact, donc adresse mail ou téléphone. Et comme ça, moi je vous envoie le lieu de rassemblement. Comme ça, moi ça me permettra de savoir combien vous êtes. Si on est genre 2-3, bah on se prendra pas la tête et puis je vous enverrai un message pour vous dire allez hop, on va ici. Si vous êtes un petit peu plus nombreux, 10-15, bah là faudra peut-être regarder pour réserver peut-être un endroit dans un bar, je vais voir. Donc dans tous les cas, si ça vous intéresse et que vous êtes dispo, n'hésitez pas à me remplir le Google Form en bas de cette vidéo. Une dernière chose, vous n'êtes pas sans savoir que dimanche il y a une nouvelle vidéo qui sort, et cette fois-ci ça sera sur Labomil, un laboratoire photo argentique qui a la particularité de développer en machine de transfert. Je vous en dis pas plus, j'espère que vous irez voir la vidéo au maximum, et j'espère que surtout ça vous plaira, parce que moi j'ai pris énormément de plaisir à aller filmer chez eux et faire un reportage sur leur laboratoire et plus particulièrement les machines de transfert. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, et surtout